Bem, temos a honra de contar com a presença de Felipe Pernod, que abordará o tema Competências e habilidades necessárias na promoção de saltos de aprendizagem. Felipe Pernod é doutor em Sociologia e Antropologia, leciona nas áreas de currículo, práticas pedagógicas e instituições de formação nas faculdades de Psicologia e de Ciências. É professor honorário da Universidade de Genebra, na Suíça. Com enorme prazer, convido o Felipe Pernod ao palco. Por gentileza. Bonjour. Je suis heureux qu'on m'ait laissé une table. Merci d'abord de m'accueillir encore une fois au Brésil. J'y viens depuis 12 ans, très régulièrement, mais je ne fais pas de progrès en portugais. Et donc, vous m'entendez à travers la voix de Laura, qui m'accompagne dans toutes les grandes villes du Brésil depuis 12 ans. Donc, je n'ai aucun doute que vous allez avoir un reflet fidèle de ce que je dis, à cette réserve près que je fais toujours. Je viens d'un autre univers culturel et institutionnel et je ne suis pas sûr que mes propos soient toujours pertinents dans votre contexte. Donc soyez prudents, la planète s'est globalisée mais l'éducation reste quand même largement liée à des contextes historiques, politiques, juridiques, nationaux. Et donc les mots n'ont pas forcément le même sens ni les politiques. Merci de m'inviter parce que, dans le fond, vous prenez un risque. Je ne fais pas partie de MindLab. Je ne suis pas méthodologue, mais sociologue de l'éducation. Et vous ne savez pas exactement ce que je vais dire, mais heureusement, il y a au moins une convergence sur deux points. Je pense que l'intelligence s'apprend, mais ça n'est pas de ça que je vais vous parler. Et je pense aussi qu'il est urgent et important de mobiliser beaucoup de forces intellectuelles, mais aussi politiques, pour comprendre pourquoi l'échec scolaire persiste et comment faire pour que tous les enfants, tous les adolescents apprennent à l'école et ne perdent pas leur temps. Et donc c'est ma raison probablement de devenir sociologue. Au départ, j'étais engagé dans des études de physique et puis à un certain moment, j'ai pris conscience de l'immense inégalité sociale devant les études universitaires et j'ai bifurqué vers la sociologie. Ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années. Et ma raison d'être sociologue de l'éducation, c'est de comprendre les mécanismes qui produisent les inégalités et l'échec scolaire et éventuellement de pouvoir y remédier avec un optimisme mesuré parce qu'on s'attaque évidemment à des processus extrêmement lourds et aussi à des conflits d'intérêts et de classes sociales. La pauvreté n'est pas due au hasard et l'échec scolaire non plus. Ça n'est pas un fait naturel, c'est un fait social. Et donc analyser les causes ne suffit pas à les supprimer. Nous savons très bien pourquoi il y a la faim dans le monde. Les causes sont claires. Néanmoins, la faim persiste, parce que changer cela voudrait dire s'attaquer à des intérêts considérables, et donc le problème deviendra politique, mais si les pédagogues, les sociologues, les enseignants n'ont pas de solutions précises, techniques et viables à proposer, le monde politique ne sera pas mis au pied du mur, c'est-à-dire en situation de devoir dire s'il est ou non d'accord de soutenir des politiques, à commencer par la formation initiale et continue des enseignants, mais les moyens, l'encadrement des écoles, la formation des personnels de direction, tout cela doit être appelé par une analyse lucide de ce qui fait obstacle à l'apprentissage, non pas pour tous les élèves, mais pour une partie d'entre eux qui se concentre, comme vous le savez bien, dans les classes populaires. Donc je vais essayer de m'attaquer au problème des compétences des enseignants pour garantir des apprentissages. Parce que dans le fond, l'école est une promesse. Quand on vous oblige à aller à l'école pendant 9 ou 12 ans de votre vie,
On vous promet qu'à la sortie, vous saurez au moins lire, vous saurez compter, vous saurez un minimum de choses jugées indispensables à la culture. Or, il se trouve que les enquêtes internationales démontrent que 20% environ des jeunes sortent de l'école sans savoir vraiment lire. Et donc, c'est une promesse qui n'est pas tenue pour tous. Et donc, nous devons concentrer notre analyse sur les élèves pour lesquels l'école, telle qu'elle fonctionne actuellement, n'est pas la solution. Ne répond pas à leurs attentes ou en tout cas ne tient pas sa promesse. Vous avez là deux adresses internet que vous trouvez facilement sous Google, donc je ne les laisse pas longtemps, mais vous y trouvez pas mal de textes et de références sur cette question en français, mais aussi en espagnol et en portugais. Faire apprendre, on pourrait dire, c'est le cœur du métier d'enseignant. Comme guérir ou rétablir la santé est le cœur du métier des soignants et notamment des médecins. Donc on pourrait dire que toutes les compétences des enseignants consistent à faire apprendre. Mais évidemment, dans une organisation complexe, bureaucratique, à large échelle, créer les conditions de l'apprentissage est aussi important que de faire apprendre. Donc on pourrait, dans l'ensemble des compétences pour faire apprendre les élèves, distinguer des cercles concentriques. Les unes sont les plus proches de l'interaction didactique et des processus d'apprentissage. Autrement dit, là on est au cœur de la pédagogie et de la didactique, au cœur de l'accompagnement du développement de l'intelligence, mais aussi de la construction des savoirs et des compétences. Et puis au-delà de ça, il faut gérer la classe, il faut collaborer avec des collègues, il faut gérer la formation continue, il faut informer les parents. Et toutes ces choses, finalement, n'ont d'intérêt que si elles favorisent les apprentissages des élèves. Mais parfois, cette connexion se perd parce qu'il y a beaucoup de choses complexes à gérer dans une classe, dans une école, dans un système éducatif, où l'intérêt des élèves et leurs apprentissages peut être perdu dans la complexité. Et vous savez bien qu'un des arguments décisifs dans une discussion entre pédagogues, c'est de dire à son interlocuteur, mais tu es en train d'oublier les enfants ou les adolescents. Tu es en train de défendre des intérêts matériels, de défendre un fonctionnement, mais et les enfants dans tout cela. Il est à la fois normal et ennuyeux que l'objectif principal puisse disparaître, mais il en va ainsi de toutes les organisations. Dans un hôpital, tout le monde n'est pas mobilisé constamment pour soigner. Dans un média, tout le monde n'est pas mobilisé pour communiquer, c'est en partie la rançon de la complexité. C'est pourquoi il importe, dans l'ensemble des compétences des enseignants, de se demander lesquelles sont les plus directement engagées dans la gestion, la régulation, l'évaluation des processus d'apprentissage. Alors on peut dire que c'est une question à la fois très ancienne et qui n'a pas une réponse entièrement satisfaisante aujourd'hui. Mais avant de cela, avant de se demander quelles sont les compétences clés, celles qui sont au cœur du métier, au cœur de l'apprentissage, il faut évidemment se demander de quoi nous parlons. Je n'ai pas le temps ce matin de développer longuement le concept de compétence, et donc je me limite à rappeler très rapidement qu'une compétence se réfère à une action, à un savoir-faire, à quelque chose qu'on maîtrise pratiquement, mais qu'elle s'appuie évidemment sur des connaissances de tout genre, et que ce concept, il est loin d'avoir fait l'unanimité, même parmi les spécialistes de la formation professionnelle ou du travail, et que son incursion dans les curricula scolaires de l'éducation fondamentale n'a pas simplifié les représentations. Donc, je dirais en résumé par rapport à l'usage que j'en fais, être compétent, c'est être compétent pour affronter une famille de situations identifiées. Et ici, il s'agit de situations de travail, de situations qu'on rencontre dans la classe. Alors, une situation peut être expliquée à un élève qui n'a pas compris la retenue dans la soustraction, la nature de ce concept et comment s'en servir dans un algorithme soustractif. Mais ça peut être aussi intégrer un élève qui arrive en cours d'année, ça peut être calmer une classe agitée, ça peut être réconcilier un élève avec les mathématiques. Donc les situations professionnelles sont extrêmement nombreuses dans un métier.
Probablement que même en restant à un niveau d'abstraction assez élevé, on en comptera facilement des dizaines, voire des centaines. Et aujourd'hui, nous sommes en formation d'enseignants dans une tendance à expliciter les compétences, à en dresser la liste et à en faire les objectifs de la formation des enseignants. Ce qui est tout à fait nécessaire. Et en même temps, on peut se perdre dans cette liste, puisque à un certain moment, savoir régler le rétroprojecteur et savoir intervenir face à un élève constamment absent ou qui refuse le savoir peuvent être mises sur le même plan comme des habiletés ou des compétences de même niveau. Et donc il nous faut suivre deux logiques contradictoires, l'une qui est de définir assez exhaustivement les compétences professionnelles, notamment pour former les nouveaux enseignants et pour piloter la formation continue des enseignants en service. Et en même temps, les arbres, dit-on en français, ne doivent pas cacher la forêt. Et il reste très important d'identifier des priorités, les compétences cruciales, celles dont tout dépend et qui, si elles font défaut, rendent les autres inutiles. Et donc, on pourrait dire, un enseignant qui ne sait pas gérer les processus d'apprentissage, mais qui travaille très bien en équipe, ou qui informe très bien les parents, tant mieux, mais il ne sert à rien. Parce que le cœur de son job, ça n'est pas ça. Et donc, il y a une hiérarchie, il y a une manière, ou en tout cas un cœur qui concerne l'essentiel du métier, et puis toutes sortes de choses importantes, mais qui sont en partie des satellites, qui sont périphériques. Et donc aujourd'hui, je vais essayer de me limiter au cœur, ce qui ne veut pas dire que ça fait le tour exhaustivement des compétences qu'on attend d'un professeur aujourd'hui. Alors je prends une précaution avant d'entamer une partie d'analyse de ces compétences majeures. Il y en aura quatre seulement, mais vous allez voir une certaine complexité. Je peux faire le pari que tous les gens qui sont professeurs et sont réunis dans cette salle ne les ont pas toutes. Et comme professeur, je ne les ai pas toutes non plus. Je ne suis pas en train de culpabiliser quiconque. Vous pouvez éventuellement vous servir de cela pour faire un bilan de compétences personnelles, mais ça n'est pas mon but. Ce sont des références et elles sont surtout destinées à orienter la formation des enseignants, et j'en parlerai en fin de journée. Mais donc ne vous en servez pas pour vous culpabiliser si vous ne les avez pas ou pas au plus haut niveau. Servez-vous-en plutôt comme point de repère pour un développement professionnel. Si vous avez l'impression que sur tel ou tel de ces axes, vous avez encore des choses à apprendre, eh bien, faites-le. Pas pour lundi prochain, mais pour les années qui viennent, parce que ce sont des choses complexes qui ne se maîtrisent pas facilement. Et je vais essayer de montrer que ces compétences professionnelles-là, ce sont des compétences qui s'appuient sur des savoirs étendus et des savoirs de psychologie et de sciences sociales, et que donc les compétences des enseignants ne sont jamais des gestes purement techniques, même si une part du métier consiste à faire des gestes professionnels adéquats. Lorsque les élèves résistent au savoir, lorsqu'ils n'apprennent pas, il faut entrer dans ce que on a appelé en psychologie la boîte noire, c'est-à-dire le cerveau, les processus mentaux, mais aussi leur connexion avec un contexte familial, avec un contexte social, et toutes ces choses ne peuvent pas se maîtriser juste avec du bon sens. Il est aussi difficile de comprendre les processus d'apprentissage que de comprendre les processus biologiques dont dépend notre santé. Et peut-être même plus difficile, parce que c'est plus invisible et parce que les méthodes d'analyse en laboratoire ne nous permettent pas d'entrer dans la boîte noire. Et donc nous travaillons encore largement avec des métaphores, avec des représentations qui dans 50 ans feront sourire les psychologues et les sociologues parce qu'on aura avancé. Et nous sourions des représentations des années 1950 comme naïves et comme dépassées. Mais nous devons donc progresser vers des représentations de plus en plus fines de ce qui se passe lorsque quelqu'un apprend et de ce que nous pouvons faire pour qu'il apprenne mieux ou plus vite ou de façon plus conforme au programme scolaire. Et donc définir des priorités dans certains métiers, par exemple la chirurgie, c'est assez facile.
les compétences prioritaires sont celles qui font que l'opération réussit et que le patient ne meurt pas sur la table d'opération. Et donc, si on vous donne le choix, préférez-vous un chirurgien qui communique bien ou un chirurgien qui vous garde en vie, votre choix sera vite fait. Dans un premier temps, vous direz, mais les deux, j'aimerais que l'opération réussisse, mais aussi qu'il m'explique pourquoi, ce qu'il fait, et les risques avant, et puis les problèmes post-opératoires que je peux avoir. Mais si on vous dit, non, non, vous n'aurez pas les deux, vous devez choisir. Vous allez forcément choisir l'habileté dont votre vie dépend, et vous préférez un chirurgien autiste, mais qui vous opère bien, qu'un chirurgien très bon pédagogue, mais qui ampute la jambe qui n'avait rien. Eh bien, c'est plus difficile pour les enseignants de savoir quelles sont les compétences vitales parce que la mort n'est pas immédiate. Et elle n'est pas physique. Quand on passe 10 ans de sa vie à ne pas apprendre à lire et apprendre en plus qu'on n'est pas capable d'apprendre à lire, c'est une forme de mort symbolique. C'est une forme de désespoir, c'est une forme de déni de soi, et donc c'est grave. Mais ça ne se voit qu'à 15 ou 20 ans. Et puis, d'une certaine manière, on ne sait pas qui en est responsable, puisque 8 ou 10 professeurs se sont succédés dans la vie de cet élève, et on ne sait pas quel était le maillon faible, celui qui n'a pas fait le travail. Et donc, en médecine et en technologie, on peut identifier des risques vitaux et des risques moins importants. En pédagogie, ça se discute, c'est moins évident, c'est plus subjectif, mais je vais néanmoins essayer, et c'est ma façon de poser ce problème, vous n'êtes pas obligé d'y adhérer, de dire quels sont pour moi les 4 risques majeurs qui guettent les enseignants, c'est-à-dire les 4 domaines dans lesquels on ne peut pas se permettre d'être faible quand on est professeur, à condition évidemment qu'on soit intéressé par un enseignement efficace et équitable. Alors vous me direz, tous les professeurs dignes de ce nom veulent être efficaces et équitables. J'aimerais bien le croire. Comme sociologue, je suis obligé d'être plus nuancé. Une partie des professeurs ont fait leur deuil de l'égalité et de l'efficacité. Et en partie, c'est une façon de se protéger. Freud disait enseigner est un métier impossible dans lequel l'échec est inscrit, et donc c'est difficile, un métier impossible, c'est-à-dire qu'il faut dans le fond garder son estime de soi tout en n'arrivant pas tous les jours à faire des miracles. Et donc garder un niveau d'ambition très élevé pour les élèves n'est pas si facile. Ça demande d'une certaine manière le courage d'affronter l'échec. Chaque année, une partie de vos élèves n'ont pas appris ce que vous souhaitiez qu'ils apprennent. Et il faut vivre avec ça. Et une façon de vivre avec ça, c'est d'une certaine manière d'abaisser son niveau d'aspiration. C'est de se dire, celui-là, je sais à la rentrée scolaire, je sais en une semaine qu'il n'y arrivera pas. Et à la limite, ça n'est pas ma faute. C'est comme ça, c'est une fatalité, c'est la nature, c'est son caractère, c'est ses aptitudes. Pour lutter contre cela, il faut donc d'abord des convictions et probablement un optimisme qu'il faut dans tous les métiers de l'humain. C'est que c'est possible, c'est qu'en créant les conditions, on va y arriver. Mais il faut ensuite des compétences assez pointues pour lutter contre les obstacles. Et donc je vais passer en revue, de façon évidemment un peu superficielle, ces 4 risques majeurs, ne pas comprendre les processus d'apprentissage, ne pas maîtriser la transposition didactique, ne pas savoir donner du sens au savoir scolaire et ne pas savoir adapter son action à la diversité des élèves. Si j'étais très optimiste, je dirais, eh bien je vais en rester là. Ces 4 choses sont assez claires pour un professeur et il voit bien de quoi je parle. Je vais néanmoins faire l'effort d'aller un peu plus loin dans l'explicitation de ces 4 risques et donc des compétences nécessaires pour prévenir ces risques. Le premier risque de ne pas comprendre les processus d'apprentissage et donc de ne pas savoir les induire et les réguler. Dans toutes ces analyses, je fais le postulat qu'une action efficace, quelle qu'elle soit, dans quelque domaine que ce soit,
dans quelque métier que ce soit, passe par la compréhension des lois du système auquel on s'adresse. Vous ne pouvez pas faire pousser des plantes si vous ne comprenez pas les lois de la croissance des plantes, parce que vous allez leur donner de l'engrais quand elles n'en ont pas besoin, les arroser trop ou pas assez, les planter au mauvais moment de l'année. Et donc, dans tous les métiers, on a besoin d'une représentation précise, construite, du système sur lequel on opère, on espère opérer des transformations. Et l'enseignement n'échappe pas à cette règle. Alors, comprendre comment on apprend, c'est d'abord comprendre que le processus d'apprentissage est une construction faite par le sujet, que personne n'apprend à la place de l'autre, que tout professeur ne peut qu'au mieux créer les conditions pour que l'autre devienne actif et que cette activité induise des apprentissages. J'espère que sur tous ces points, votre impression est que vous le saviez déjà, que c'est évident et que je dis des banalités. J'en serais très heureux. Mais hélas, on voit, et alors on le voit encore plus dans l'enseignement universitaire, mais on le voit encore beaucoup dans l'enseignement secondaire et encore un peu dans l'enseignement primaire, l'idée qu'enseigner, c'est transmettre des connaissances, c'est-à-dire tenir un discours, une parole magistrale, en demandant aux apprenants d'écouter, de prendre éventuellement des notes, de poser des questions. Donc la transmission discursive n'exclut pas le dialogue socratique, n'exclut pas des interactions et des explications, mais dans le fond, on reste sur un modèle où le savoir passe du cerveau du professeur au cerveau de l'élève à travers sa mise en texte écrit ou en texte oral. Et que cette idée-là n'est pas entièrement fausse, parce qu'évidemment, une partie de la parole magistrale provoque une activité chez les élèves. Bon. J'espère ce matin, même si c'est dur un samedi matin, provoquer une certaine activité intellectuelle dans votre esprit et, dans le meilleur des cas, susciter des doutes, des contradictions, des objections qui vont finalement vous faire avancer. Mais si je me limitais à ce mode de communication ex cathedra, je sais d'avance que les effets formateurs seraient très limités. Ce qui est légitime pour une conférence ne l'est pas pour un enseignement annuel. Or pourtant, le cours universitaire ressemble étrangement à une suite de conférences, faites souvent d'ailleurs à un grand nombre d'étudiants, donc avec un taux d'interaction relativement bas, puisque être étudiant à l'université, en tout cas au premier cycle, c'est largement écouter et prendre des notes un professeur qui présente des transparents et qui les commente, ce que je fais en ce moment. Cette image de l'enseignement et donc de l'apprentissage n'est pas absurde, mais elle est extrêmement élitiste, parce qu'elle suscite une activité à laquelle ne peuvent accéder qu'une partie des élèves et des étudiants, ceux qui apprennent au rythme de la parole magistrale. Alors prenons un exemple, je vous explique le principe d'Archimède et le concept de gravité en physique. Dans une classe de 30 étudiants du secondaire, quelques-uns toujours vont comprendre en 5 minutes ce que le professeur explique, parce qu'ils ont une capacité d'abstraction, une capacité de reconstruction immédiate de leurs connaissances, pour se rendre compte immédiatement que la gravité, ça n'est pas le poids ni le volume, mais quelque chose d'autre. Que quand vous expliquez à quelqu'un, prenons cet exemple, que c'est le théorème d'Archimède, qu'un corps plongé dans l'eau subit une poussée et des forces égales au volume d'eau dont il a pris la place. Magnifique formulation, très synthétique et fondée. Mais pour la comprendre, il faut se représenter un volume d'eau qu'on remplace par un objet physique, un morceau de bois par exemple, la coque d'un bateau, mais que ça ne change rien à l'action qui s'exerce sur cette enveloppe. Eh bien, pour certains, c'est immédiatement intelligible. Et tout de suite, ils ont compris que d'une certaine manière, si la chose qui remplace le volume d'eau est plus lourde, elle va plonger, et si elle est plus légère, elle va monter
à action égale sur ce volume-là. Mais pour d'autres, ce que je viens d'expliquer là, c'est du chinois, dit-on en français. C'est-à-dire, ils n'ont rien compris, mais rien du tout, parce qu'ils n'arrivent pas à se figurer les choses. Et pour cela, il va falloir une démarche beaucoup plus active, il va falloir passer par de l'expérimentation, et par exemple, le groupe français d'éducation nouvelle a développé toute une séquence où le professeur amène dans sa classe de l'eau et toutes sortes de récipients et toutes sortes d'objets. Évidemment, il faut être ami avec le concierge pour faire des choses pareilles, parce qu'il transforme la classe en laboratoire. Et il plonge et il met ses élèves dans une recherche en disant, bon, qu'est-ce qui fait flotter les choses? Qu'est-ce qui les fait couler? Et les élèves vont dire, ah, le bois coule et le métal, non. Le métal coule et le bois flotte. Ou ils vont dire, c'est la couleur, c'est la forme, c'est la substance, c'est la texture. Enfin, toutes sortes d'hypothèses qui ne sont pas idiotes, mais qui sont fausses. Bon. Et peu à peu, le groupe, et ça va prendre quelques semaines, va essayer de serrer les hypothèses, de les tester les unes après les autres, va façonner des matériaux, va essayer avec du Sagex, avec du plastique, avec du bois, avec du métal, pour peu à peu dégager des régularités. Je ne vais pas aller plus loin, puisque ça n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais là, on a l'exemple d'une connaissance qui se construit autrement qu'à travers la parole. Et donc, il faut aller, si l'on veut faire apprendre, vers une vision moins élitiste qui s'adresse aux élèves qui ont besoin de manipuler, qui ont besoin d'opérer sur des objets, qui ont besoin d'aller et de venir, d'essayer, de comprendre en faisant et pas seulement en écoutant. La pédagogie a fait un certain nombre de progrès dans ce sens, donc ça n'est pas un discours neuf, puisque dans le fond, c'est la base de tous les mouvements d'école nouvelle et d'école active, learning by doing, autrement dit, opérer sur le réel pour peu à peu construire des concepts et comprendre les lois du monde sur lequel on essaye d'agir. Et donc, cette idée-là, même si elle n'est pas neuve, elle reste aujourd'hui assez étrangère à une partie des professeurs. Et d'ailleurs, assez étrangère à une partie des formations de professeurs qui valorisent encore largement la transmission par la parole magistrale d'un texte du savoir constitué. Mais même si on a compris que l'activité est nécessaire à l'élève, il faut encore comprendre que cette activité n'est pas un but en soi. Toute activité n'engendre pas des apprentissages. Au contraire, les activités qui engendrent des apprentissages doivent avoir des caractéristiques très particulières. Parce que sinon, occuper les élèves, les faire travailler, ne suffit pas. Ce qui importe, c'est une activité qui confronte à des obstacles, et des obstacles qui ne sont pas seulement des obstacles à la réalisation d'un projet, mais qui sont des obstacles intellectuels, des obstacles, pourrait-on dire, épistémologiques. Autrement dit, créer des activités qui obligent, par exemple, à construire le concept de gravité. Au début de l'activité, ce concept n'est pas maîtrisé et le mot ne veut rien dire, ne suscite aucune signification. Et peu à peu, et ça ne se fait pas en 5 minutes, le concept de gravité, qui n'est pas celui de poids ni de volume, qui est un concept assez complexe, assez abstrait, puisque la gravité, on ne la voit pas, il n'y a pas d'instrument simple pour la mesurer, elle dérive d'un calcul, ce concept se construit progressivement parce que le professeur a organisé des activités et des situations didactiques qui forcent en quelque sorte les élèves à construire ce concept pour comprendre ce qui se passe. Et donc l'activité qui est au cœur du constructivisme n'est pas seulement une activité où les élèves s'agitent, font des choses, mais font des choses qui les confrontent pour réussir à des obstacles qui les obligent à développer de nouvelles connaissances ou de nouveaux concepts. Et donc, ça n'est pas du tout évident. Un animateur de centre de loisirs ou de centre de vacances pour enfants a un objectif clair, c'est qu'il ne s'ennuie pas. Et donc, il va les occuper. Il va leur proposer toutes sortes de choses amusantes, intéressantes et parfois éducatives. Merci. Mais ça n'est pas son but. D'une certaine manière, une activité sans effet
Sauf sur le moment, ça lui suffit, c'est son job d'animation. Un professeur n'est pas un animateur. Ça n'est pas intéressant que les élèves soient actifs. Il faut en plus que cette activité fasse rejoindre des objectifs du programme. Et donc, il ne suffit pas d'être constructiviste au sens banal du mot, c'est-à-dire la connaissance se construit par réorganisation successive de nos représentations mentales. D'une certaine manière, l'apprentissage est une crise. Autrement dit, elle doit ébranler nos certitudes. Elle doit, d'une certaine manière, nous pousser à un moment de confusion mentale, parfois de panique, le sentiment qu'on a, mais alors je n'y comprends plus rien. Et ce sentiment doit être dépassé par une reconstruction plus complexe à un niveau supérieur. Mais ça ne se fait pas automatiquement, et donc un constructivisme maîtrisé consiste à comprendre exactement pour telle opération arithmétique, pour tel concept historique, quelles sont les situations à créer pour que se construise du savoir nouveau. Et donc là, on est à la pointe de l'expertise didactique, c'est-à-dire l'expertise en situation d'apprentissage, sachant qu'une situation intéressante, c'est une condition nécessaire, j'y reviendrai dans un moment, mais pas suffisante. Il faut que les contraintes de cette situation soient telles qu'elles obligent une partie, au moins des élèves, à construire des savoirs nouveaux. Et donc, une partie des enseignants dans le monde font un usage, on pourrait dire, assez laxiste du constructivisme. Autrement dit, ils ont compris qu'il faut rendre les enfants actifs et donc se démènent pour amener des tâches intéressantes, des activités de toutes sortes, des bricolages, des sorties, des enquêtes, des observations, on fabrique un herbier, on lit le journal, etc. C'est très bien tout ça, mais ça n'est qu'un moyen pour obliger à un conflit cognitif et à un dépassement de l'état des connaissances. Et c'est là que l'expertise de l'enseignant devient pointue et exige une formation didactique dont je parlerai en fin de journée. Donc le constructivisme n'est pas juste une bonne intention, n'est pas juste une adhésion à l'église de l'activité. Ça n'a pas d'intérêt. C'est une ingénierie capable de concevoir et de gérer et de piloter en direct des activités productives de crise intellectuelle, donc d'apprentissage. Et évidemment, on ne peut pas produire constamment des situations de ce genre pour tous les élèves pendant 30 heures par semaine. Le déficit d'apprentissage veut dire simplement que au cours de sa scolarité, au cours d'une année scolaire, au cours d'une semaine d'école, l'enfant ou l'adolescent ne rencontre pas suffisamment de situations de ce type, de situations qui l'obligent à construire du neuf. Et en partie, les élèves deviennent experts dans l'art de faire semblant d'être actifs pour ne pas inquiéter le professeur, qui, vu de loin, un élève actif est un élève qui s'agite, qui a pris le bon cahier, qui a les bons instruments, qui a l'air d'écrire, qui a l'air de mesurer, qui a l'air de parler en équipe. Et donc, faire illusion de l'activité, c'est le béaba du métier d'élève. Donc, pour ne pas être roulé, il ne suffit pas de les regarder de loin, il faut entrer en conversation, en interaction, et voir si l'activité telle que l'élève l'a concrètement engagée produit un conflit cognitif, produit une déstructuration de ses savoirs et ce que Piaget appelait une rééquilibration majorante, c'est-à-dire une reconstruction de la cohérence de son système cognitif à un plus haut niveau, qui inclut par exemple, alors prenons un exemple très concret, le nombre entier. C'est une déconstruction majeure dans la connaissance. Ça d'abord, compter les doigts d'une main, compter quelques objets, une petite collection. Passer à la dizaine et à la centaine, ça commence à être très compliqué parce que, et dans un certain nombre d'ethnies du monde, on ne compte pas au-delà de 10 ou 15 parce que ça demande un niveau d'abstraction et la maîtrise de la numération en base 10. Mais presque tous les enfants arrivent à construire les nombres entiers. Et soudain, on leur dit, mais il y a des nombres négatifs. Un nombre négatif, c'est plus une collection, puisque ça n'existe pas. Et donc, il faut prendre d'autres métaphores.
la température qui descend en dessous de zéro, et là vous êtes très handicapé au Brésil parce que ça n'arrive presque jamais. Les étages qui sont au-dessous du rez-de-chaussée. On trouve des images qui associent un moins 2 à une expérience concrète. Et ensuite, on introduit les nombres fractionnaires ou les nombres réels. Le nombre pi, c'est une chose qui met en crise. Quand j'ai compris le nombre décimal, 3,14, on m'explique, une année ou deux après, qu'il y a des nombres où il y a 3,14 et ensuite 16 et ensuite un nombre infini de décimales. Mais c'est inimaginable. Et puis, peu à peu, on va introduire encore des nombres imaginaires, puis des nombres complexes. Les mathématiciens se sont dit, vous savez bien que quand on met un nombre au carré, le résultat est toujours positif. Donc la racine d'un nombre est nécessairement positive. Et à ce moment, un mathématicien se dit, mais imaginons que on puisse prendre la racine d'un nombre négatif, et on va appeler ça un nombre imaginaire. Mais je ne sais pas si vous en servez tous les jours, c'est quelque chose qui met en crise notre construction du nombre. Donc, tout au long de la scolarité, de l'école enfantine jusqu'à la fin de l'école secondaire ou du lycée, notre construction du nombre est bousculée par la scolarité, parce que ces choses qu'on croyait maîtrisées et simples se compliquent, qu'il faut intégrer les nombres négatifs, les nombres fractionnaires, les nombres décimaux, les nombres réels, les nombres imaginaires, les nombres complexes, puis ensuite les vecteurs, etc. Et chacune de ces étapes est une destruction qui, dans le meilleur des cas, va être suivie d'une reconstruction. Et c'est gérer cette alternance de destruction et de reconstruction cognitive qui est le constructivisme bien maîtrisé. Et donc, c'est bien plus que faire opérer les élèves sur des collections ou les faire comparer des choses, c'est savoir exactement ce qu'on essaye de susciter, et donc pour ça avoir une maîtrise extrêmement précise, qui est celle de la didactique des mathématiques, de comment ces connaissances se construisent. Et on peut évidemment faire la même chose pour la biologie, pour la langue, etc., même si la construction diffère d'une discipline à l'autre. Je passe au risque numéro 2. Le professeur ne maîtrise ni intellectuellement ni pratiquement la transposition didactique des savoirs à enseigner. La notion de transposition didactique est devenue un concept majeur des sciences de l'éducation depuis une bonne quarantaine d'années, introduite d'ailleurs par un sociologue français, Michel Verret, qui se posait une question toute simple. Quand le savoir est enseigné, que devient-il ? Et il étudiait le savoir universitaire, montrant que dans le fond, la mise en forme scolaire du savoir opère sur ce savoir des transformations importantes. Je vais y revenir plus en détail. Mais on a élargi ce concept à la scolarité secondaire, puis primaire. Il n'y a pas d'enseignement sans transposition, c'est-à-dire sans transformation, sans accommodation du savoir pour le rendre accessible à des étudiants. Et ça n'est pas seulement une simple vulgarisation, une simple simplification. Cette transposition recouvre toutes sortes d'opérations complexes. Et la première, c'est de se représenter que on ne s'adresse jamais à des élèves qui ne savent rien. Que tout élève abordant l'école, même très jeune, a des représentations de processus complexes, parce qu'ils font partie de son environnement. Et donc, Piaget et d'autres ont montré que pour comprendre une notion, il fallait en quelque sorte refaire le trajet de l'humanité. Que la sociogenèse et la psychogenèse sont parallèles. Que pour un enfant, il est évident que le soleil tourne autour de la Terre. Et d'ailleurs, beaucoup d'adultes, quand on les pousse un peu dans leur retranchement, pensent qu'en réalité, ça se voit. Ils se lèvent, ils se couchent et ils nous tournent autour. Bon. Et donc la révolution galiléenne, chacun, chaque enfant, chaque adolescent doit la refaire. Parce que ça n'est pas du tout naturel de penser que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Il faut d'une certaine manière substituer une abstraction à une évidence intuitive. Et à la limite, on peut penser que on ne voit pas la Terre tourner autour du Soleil, mais on a l'impression de la voir. Et puis, autre exemple que j'aime bien, celui
Piaget demandait aux enfants pourquoi les feuilles des arbres bougent. Et la réponse très systématique, c'était que d'où vient le vent ? Le vent est un phénomène naturel, c'est un phénomène universel, mais on peut l'apprécier ou non sans savoir ce qui le produit. Et donc la question était, à des enfants de 7-8 ans, mais d'où vient le vent en fait ? Est-ce que tu sais ? Et beaucoup d'enfants répondaient, mais ce sont les feuilles des arbres qui engendrent du vent. Réponse très poétique, assez étonnante pour les adultes, mais très logique pour les enfants, surtout dans les... Parce qu'ils savent qu'en agitant des feuilles, en agitant les pales d'un ventilateur, une hélice, n'importe quoi, on fait du vent. Bon. Et ils ne voyaient pas d'autre explication simple et naturelle. Donc pour eux, ça n'est pas le vent qui fait bouger les feuilles, c'est l'inverse. Les feuilles, bon. Et donc il faut opérer une rupture considérable. Bon. Et essayer d'expliquer à un enfant de 7 ans que c'est le contraire. Que ce ne sont pas les feuilles qui font bouger le vent, mais quelque chose qui produit du vent qui fait bouger les feuilles. Mais alors, qu'est-ce qui produit le vent ? Et pour lui expliquer ça, vous devez passer à une explication extrêmement sophistiquée qui met en évidence la rotation de la Terre, le rapport entre l'atmosphère et la croûte terrestre, enfin des choses que la plupart des adultes ne comprennent pas non plus, hein, ou pas bien. Et donc, vous substituez à une explication de sens commun, simple, satisfaisante, poétique, une explication très abstraite, très difficile à comprendre et qui met en jeu une représentation du système solaire et donc de phénomènes physiques extrêmement complexes. Et donc enseigner, c'est combattre des représentations déjà là, bien installées et souvent assez commodes, assez satisfaisantes dans notre vie quotidienne. Et donc nous gérons en enseignant ce que Genhardt et d'autres ont appelé des conflits de savoir. Il n'y a pas une table rase, il n'y a pas une place vide à occuper, il y a toujours des connaissances déjà là, et essayer d'expliquer par exemple la digestion à un enfant d'âge d'école primaire, en disant, mais tu ne t'es sûrement jamais demandé comment se passait le trajet des aliments dans ton corps et comment ils se... Bon. Mais c'est faux, évidemment, avec notre insistance sur les phénomènes physiologiques dès l'enfance, pour le contrôle de la propreté, aucun enfant ne peut échapper à se construire des représentations de la circulation des matières dans notre corps. Et donc il a une théorie de la digestion, de l'alimentation, de l'excrétion, bien avant qu'on lui donne un enseignement basique de science. Et donc, comme on fait les didacticiens des sciences, en demandant aux enfants leur représentation de ce qui se passe, ils racontent des choses d'une extrême complexité, souvent très, très poétique, la plupart du temps fausse, mais cette place est prise. Et donc, enseigner, c'est les faire renoncer à des choses qu'ils ont construites bien avant l'école ou en dehors de l'école, pour substituer des vérités scientifiques, pense-t-on, qui nous paraissent plus vrais, mais qui pour les destinataires sont en réalité leur compliquent la vie. Donc il y a une certaine résistance. Et ça a été étudié par les didacticiens de la physique, montrant qu'une partie de cette résistance conduit à une forme de schizophrénie. Autrement dit, par exemple, quand on étudie les gens qui ont fait un doctorat de physique, on se rend compte que quand ils sont au labo de physique, dans leur thèse de physique, dans un dialogue avec d'autres physiciens, ils ont une physique orthodoxe qui est celle des physiciens. Et que dans la vie quotidienne, pour les phénomènes physiques ordinaires, ils ont une physique ordinaire, qui est celle de monsieur et madame tout le monde, et qui dans leur esprit coexistent ces deux sciences, une science naïve et une science savante, d'autant plus facilement qu'elles ne se parlent pas. Et que donc si on ignore que la place est déjà prise, que fait l'école ? Elle pousse dans un coin le temps de la scolarité les savoirs naïfs, elle leur substitue des savoirs scientifiques qui sont restitués à l'examen. Et puis, quand les gens reprennent leur liberté, c'est-à-dire sortent de l'école, les savoirs spontanés reprennent le dessus et les savoirs scientifiques, d'une certaine manière, sont passés par pertes et profits, ils n'ont réussi qu'à passer des examens.
si nous enseignons les sciences à l'école, les mathématiques, ça n'est pas pour ça, ça n'est pas pour passer des examens. C'est pour changer les représentations du monde, mais pour ça, ça veut dire prendre au sérieux la transposition didactique et les conflits de savoir, et donc faire évoluer l'enseignement de sorte qu'il ne refoule pas ces savoirs, mais les fasse sortir et dialogue avec eux. Or, ça n'est pas du tout simple. Je me souviens, par exemple, d'avoir travaillé avec une équipe d'enseignants qui avait des élèves de 11 ans, et au programme, il y avait l'univers. Puisque c'est au programme de l'école primaire dans ce système-là. Et comme elles étaient formées au constructivisme, formées aux représentations préalables, elles ont dit, bon, partons de ce que les élèves savent de l'univers et partons des questions qu'ils se posent sur l'univers. Et donc l'année a commencé par demander aux enfants de produire des questionnements ou des affirmations sur l'univers. Et c'était il y a probablement 20 ans, et ces enseignantes s'en souviennent encore, comme si c'était hier, parce qu'une classe de 20 élèves a produit une cinquantaine de questions dignes d'un astrophysicien. C'est-à-dire qui mettait en crise les connaissances astronomiques, astrophysiques, anthropologiques des professeurs de l'école primaire, parce qu'elles étaient d'une grande sophistication ou posaient des problèmes métaphysiques. Et quand on vous demande, mais qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers, avant le Big Bang, vous êtes très embêté. Parce que si vous dites rien, c'est inexplicable. Et si vous dites, il y avait autre chose, mais alors quoi? Et parce que notre esprit est incapable de s'imaginer que l'univers n'est de rien. Et donc on est aux confins de la physique et de la métaphysique sur des choses extrêmement subtiles. Et en somme, ces enseignantes, en plaisantant, parce qu'elles ne l'ont pas fait, se sont dit à la fin de cette année, on ne fera plus jamais ça. Parce qu'on ne peut pas le gérer, parce que ça demande tellement de temps, tellement de travail, et à la limite tellement de travail personnel, de formation personnelle pour répondre. Donc il est plus simple d'expliquer aux élèves ce qu'est l'univers que de leur demander ce qu'ils savent et quelles sont les questions qu'ils se posent. C'est plus simple, mais ça ne sert à rien. Et donc c'est bien le dilemme, qu'est-ce qu'on préfère, une pédagogie simple ou une pédagogie efficace ? Et la pédagogie efficace prend en compte le fait qu'il faut dialoguer avec des représentations déjà là, et les enfants et les adolescents en ont sur toutes les choses importantes liées au corps, à la mort, aux phénomènes physiques, aux phénomènes sociaux. Mais la transposition, c'est évidemment aussi une simplification, parce qu'on ne peut pas enseigner à tout âge les savoirs les plus sophistiqués. Par exemple, une équipe a montré que si on enseigne la respiration, biologie, à l'école secondaire, on enseigne forcément des théories dépassées de la respiration, parce qu'à ce niveau d'étude, la théorie des échanges biochimiques ne peut pas être comprise par les élèves. Et donc on a un choix embarrassant, où on enseigne seulement au lycée, voire à l'université, la respiration, où on l'enseigne avec des concepts qui, en fait, sont scientifiquement dépassés, sont des métaphores, mais sont compréhensibles. Et donc, la transposition didactique, c'est aussi un certain nombre de dilemmes et de choix auxquels s'ajoute, évidemment, le conditionnement didactique des savoirs, c'est-à-dire la transformation de savoir savant en savoir scolaire et de savoir scolaire en activité, en exercice, en tâche. C'est la chose la plus banale, on peut dire, de la transposition didactique. J'insisterai plutôt sur la dimension en partie anthropologique plutôt que technique, sur le fait que le savoir, l'école n'en a pas le monopole, et que d'une certaine manière, elle entre dans un conflit de territoire et de prétention à dire la vérité. Et que si elle affirme sa légitimité à dire la vérité sans tenir compte du fait qu'il y a d'autres vérités, que les médias, que les parents, que l'expérience nous apprennent autre chose, elle va d'une certaine manière se construire un petit précaré du savoir scolaire à usage scolaire qui n'aura aucun intérêt, puisque d'une certaine manière, ça ne sera pas un outil pour la vie, mais un outil pour l'école. Et l'école qui crée des outils pour l'école entre dans une considérable perversité. On va à l'école pour en sortir mieux armé, pour comprendre des choses complexes dans le monde. Troisième risque, le professeur ne parvient pas, ne sait pas donner du sens au travail, au,
au travail scolaire et au savoir scolaire. Alors évidemment, toutes ces choses sont liées et je ne les hiérarchise pas. Et dans la réalité d'une activité d'enseignant, elles sont constamment entremêlées. Il n'y a pas un moment constructiviste, un moment de transposition, un moment où on s'occupe du sens et un moment où on s'occupe des différences. On s'occupe de tout ça à la fois, ce qui ne simplifie pas le travail, naturellement. Donc c'est un découpage analytique et l'ordre des choses n'est pas un ordre ni chronologique ni d'importance. Toutes ces choses sont également importantes. Qu'est-ce que c'est le sens? C'est un concept de sens commun que tout le monde comprend et en même temps assez difficile à définir. Donc j'aime bien cette définition de François Jacob, qui est donc un des biologistes qui a découvert l'ADN et qui dans son autobiographie disait cela: ce que l'homme cherche jusqu'à l'angoisse dans ses dieux, dans son art, dans sa science, c'est la signification. Il ne supporte pas le vide, il verse du sens sur les événements comme du sel sur les aliments. En somme, c'est la question qu'on se pose, pas tous les matins, mais assez souvent. Qu'est-ce que je fais là? À quoi ça sert? Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de l'activité qu'on me propose? Et on a besoin d'une réponse acceptable, au moins provisoirement, pour continuer. Alors évidemment, dans les conditions les plus dominées de l'espèce humaine, le sens minimal peut suffire. À la limite, je fais ce qu'on me dit parce que sinon j'aurai de gros ennuis. Et donc échapper à la sanction, échapper à la souffrance, échapper à pire encore est un des moteurs de l'action humaine. Et à l'école, on peut apprendre un petit nombre de choses de cette manière. Apprends parce que sinon je te taperai sur les doigts, ou sinon tu seras puni, ou sinon tu n'auras pas d'argent de poche, ou sinon je ne t'aimerai plus, ou sinon tu auras moins de liberté, tu ne pourras plus regarder la télévision. Donc cette pédagogie de la menace, elle est efficace pour des apprentissages de bas niveau, ceux qui ressemblent plus au dressage qu'à l'apprentissage. C'est-à-dire des choses que tout le monde peut apprendre à condition d'y mettre un peu de bonne volonté. C'est en général sur ce modèle que fonctionne l'instruction militaire ou un certain nombre d'éducations dans le monde pénitentiaire. Autrement dit, elles ne visent pas le niveau le plus élevé de la compétence humaine et du raisonnement humain. Mais dès le moment où on veut que les gens réfléchissent, comprennent, prennent des initiatives, s'approprient un savoir, ce niveau de sens minimal, éviter les ennuis, éviter les sanctions, ne suffit plus. Le système éducatif vise des apprentissages de haut niveau, de plus en plus haut niveau, pourrait-on dire. Et donc, le sens qui permet à l'élève de s'investir, de s'engager dans l'activité, est nécessairement beaucoup plus ambitieux que je le fais parce qu'on me le demande, ou je le fais pour qu'on continue à m'aimer, ou je le fais pour ne pas avoir d'ennuis. Il faut, dans le fond, se prendre au jeu, s'engager, s'impliquer, faire qu'un problème qui est soumis par le professeur devienne un problème qui m'intéresse, créer une forme de souffrance si je n'ai pas la solution, une forme de frustration. Et on peut dire qu'une partie du sens à l'école, un des meilleurs indicateurs du sens d'une activité pour les élèves, c'est que cette activité, ils la continuent même quand la cloche sonne. Autrement dit, ils auraient le droit de partir. C'est la récréation ou c'est la fin de l'école. Et ils disent, oh, maintenant, non, je veux rester, parce que là, il faut que je finisse ce texte, que je résolve ce problème, ou mon dessin n'est pas fini, etc. Vous savez bien que ça n'arrive pas tous les jours. Et que ce qui est frappant, au contraire, c'est que la plupart des élèves du monde, la plupart du temps, sont capables d'abandonner une activité que le professeur juge intéressante en 10 secondes. On leur dit, c'est fini, ils disent, c'est fini. D'ailleurs, ils ont intérêt aussi, parce que dans le fonctionnement scolaire, on met souvent fin très brutalement aux activités pour les rendre synchrones. Donc un élève a tout intérêt à apprendre à ne pas être frustré quand on lui dit c'est fini. Je ramasse les feuilles, dit le professeur. Bon. Et quand on lui dit mais encore une minute, il dit bon, une minute, mais pas plus. Hein, parce qu'après, nous allons nous mettre en retard et ça va faire dysfonctionner la journée. Donc à l'école, dans le fond, on est plutôt habitué dans le métier d'élève à un engagement assez superficiel dans les apprentissages, parce que dans le fond,
c'est le professeur qui pilote tout ça. Et construire du sens, c'est d'une certaine manière créer de la passion chez l'élève, faire que le savoir devient son objet, son souci, et pas celui du professeur. Alors, c'est un idéal qu'on n'atteint pas tous les jours. Et évidemment, ce qui importe, c'est de créer cette tension, cet appétit de comprendre, de faire, de réussir, de savoir chez les élèves qui ne sont pas conditionnés dans ce sens par leur famille. Parce que certains élèves arrivent à l'école avec une curiosité inépuisable, avec une demande d'activité, avec des questions qui, à la limite, finissent par agacer l'enseignant parce que il n'a pas que cela à faire. Mais ça n'est pas pour ces élèves qu'il faut s'inquiéter, ce sont pour les autres. Et donc il faut que, dans le fond, un professeur compétent est un professeur qui comprend d'où vient le sens, pourquoi il se construit et aussi pourquoi il disparaît. Et qui comprend notamment que le sens est quelque chose, c'est pour ça que je n'utilise jamais le concept de motivation, parce que la motivation, elle est attachée à un sujet. Il est motivé ou il n'est pas motivé. Mais en réalité, peut-être que vous étiez motivé ou que vous aviez envie de m'écouter il y a 5 minutes et que maintenant vous n'avez plus envie, ou l'inverse, parce que vous avez envie d'un café, parce que vous avez des pensées qui traversent votre tête, parce que vous êtes mal assis, parce que vous ne supportez pas l'immobilité. Et donc le sens est largement lié à ici et maintenant. Le sens va et vient. Mais évidemment, donc, il n'est pas donné une fois pour toutes. Je ne peux pas vous expliquer un jour pourquoi on fait de la géométrie ou de la trigonométrie et penser que, du coup, toutes les activités auront du sens dans cette discipline. Ça va dépendre du contexte, du moment, de l'énergie, des autres élèves. Ça va dépendre de toutes sortes de choses qui fluctuent. Mais évidemment, sur une toile de fond relativement stable, celle du rapport au savoir, un élève qui n'aime pas les mathématiques ou qui n'aime pas l'éducation physique, pour donner du sens à ces activités-là, il faudra faire des efforts supplémentaires parce qu'il part avec un a priori négatif. Il va dire, oh, encore des maths, oh, c'est les maths, c'est l'horreur, j'aimerais ne pas être là. Alors que si c'est l'histoire, il va dire, chic, c'est l'histoire, j'aime l'histoire. Bon. Donc cette toile de fond qui varie pas seulement selon les disciplines, mais à l'intérieur. On peut aimer le calcul mental et ne pas aimer la géométrie. On peut aimer les mathématiques une année et pas l'année suivante parce que ce n'est pas le même professeur ou ça n'est pas le même dispositif de travail. Donc il y a des amours, des attractions et des répulsions plus durables, et tout cela s'inscrit évidemment sur le fond d'une culture, d'un métier d'élève. Je ne vais pas développer tout cela, mais dans le fond, il me paraît très important que le sens ne soit pas une notion banale, mais qu'on devienne d'une certaine manière un expert du sens et du non-sens du travail, en considérant qu'un travail qui n'a pas de sens a peu de chances de produire des apprentissages significatifs et des apprentissages importants. Et donc se dire que le sens, ça n'est pas une chose qu'on peut instaurer au départ et ensuite on a confiance qu'il est stable et qu'il reste là. C'est la matière la plus volatile. C'est quelque chose qui peut disparaître en 2 minutes. Si un élève se passionne pour un sujet, lève la main, vous ne le voyez pas, ou vous faites semblant de ne pas le voir parce qu'il va vous détourner du chemin ou vous préférez solliciter un autre élève, il va se fermer. Et ce qui avait du sens 2 minutes avant n'en aura plus jusqu'à la fin de l'heure, tout simplement parce qu'il a été blessé ou ignoré, ou que la question qu'il se posait n'a pas d'écho ou n'a pas eu de réponse. Et donc, maîtriser cette volatilité, c'est très important, et ça veut dire maîtriser ce que j'ai appelé il y a quelques années les voleurs de sens, parce qu'on ne peut pas imaginer que beaucoup d'enseignants souhaitent du non-sens. On peut imaginer qu'un enseignant normalement constitué aimerait bien que ses élèves s'intéressent à ce qu'il propose. À la fois, c'est gratifiant et c'est efficace. Et donc, s'il n'y a pas de sens, c'est parce que ce sens a disparu, d'une certaine manière, contre la volonté du professeur, et parfois à son insu, sans que ce soit son souhait. Et alors, ces voleurs de sens, ce sont autant de mécanismes qui affaiblissent le sens, sans être volontairement mis en place, ils ont des effets dévastateurs.
tout stress, tout sentiment d'angoisse et d'insécurité affaiblit le sens. Personne n'apprend en ayant peur, en étant angoissé, en étant humilié. L'humiliation, c'est aussi un blocage considérable. Et une partie de l'expérience des élèves, c'est d'entendre qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne sont pas malins, qu'ils sont nuls, qu'ils ne sont pas motivés, qu'ils ne sont pas sérieux, qu'ils ne sont pas travailleurs, et toutes ces choses n'aident pas à apprendre. Être renvoyé à ces insuffisances n'est pour personne un moteur d'apprentissage. Des tâches peu adéquates, j'y reviendrai à propos du quatrième risque, une pédagogie peu active, c'est-à-dire dans le fond, pour s'intéresser, il faut avoir de la place, il faut avoir du pouvoir, il faut pouvoir intervenir sur les événements. Si l'élève est complètement dépendant, soumis à des décisions unilatérales du professeur, il ne trouvera guère de sens, quel que soit le contenu. Programme rigide et surchargé, parce que si les programmes sont tellement chargés qu'on n'a jamais le temps de s'arrêter, de faire une parenthèse, de donner un exemple, parce qu'il faut tourner les pages du programme à toute vitesse, il faut avoir un génie pédagogique particulier pour que le sens se maintienne. Savoir désenchanter sans racine ni enjeu, c'est-à-dire on n'a pas le temps et on ne sait pas d'où ça vient. Prenons l'exemple de la mesure à l'école primaire, on passe beaucoup de temps à transformer des centimètres en mètres, ou en décamètres, ou en hectomètres. Bon, pourquoi ? À quoi ça sert ? D'où viennent ces unités de mesure ? On n'a pas le temps, et parfois on ne sait pas. Or, quand vous... Et donc, cette activité est particulièrement ennuyeuse, sauf pour les élèves obsessionnels, qui prennent un grand bonheur à transformer 3 mm en centimètres. Les autres ont besoin, d'une manière, de comprendre à quoi ça sert de mesurer les choses, ou de transformer les mesures. Et quand vous dites, par exemple... Avant qu'on ait des mètres, on mesurait en pieds. Se provoque dans toute classe d'élèves, disons, de 9 à 10 ans, une discussion suscitée par la question suivante, mais ces pieds, de qui était-ce le pied ? Parce que tous les enfants savent depuis toujours que nous n'avons pas des pieds de même longueur. Et que donc si le pied est l'étalon de mesure, alors il faut prendre le pied de quelqu'un. Et évidemment, suscite la question de savoir si c'est le pied du roi. Oui, mais quand il n'y a plus de roi, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce le président ? Et les rois changent et ils n'ont pas tous les mêmes pieds et les rois grandissent. Donc s'ouvre un univers plus sociologique que mathématique sur la mesure comme convention humaine pour distribuer équitablement le terrain, pour mesurer la part de chacun en agriculture, pour construire, etc. Et donc, je dis ces choses très rapidement, évidemment, elles devraient se développer, mais... Ça suffit pour comprendre que la mesure sèche n'a pas de sens, n'a pas d'intérêt, et que la mesure remise dans son contexte historique, sociologique, juridique, peut devenir un objet passionnant. Mais pour ça, il faut prendre le temps, et il faut avoir la culture nécessaire pour susciter cette réflexion, et donc il faut lire des livres, il faut s'intéresser soi-même à l'histoire de la mesure, ce que tous les professeurs ne font pas spontanément. Savoir sans lien avec les pratiques sociales... Eh bien, c'est pareil, vous pouvez expliquer une mesure de physique et être incapable de dire qui s'en sert dans l'ingénierie, dans l'industrie, dans toutes sortes de processus. Donc si vous ne pouvez pas connecter les savoirs scolaires à leur origine ou à leur destination, ils vont évidemment être extrêmement pauvres en sens. Zapping, c'est-à-dire un savoir intéressant, c'est un savoir dans lequel on entre progressivement et qu'on n'a pas envie de quitter. Or l'école... est organisé selon le système d'un zapping permanent par période de 45 minutes ou même plus courte, c'est-à-dire qu'on a une pédagogie qui se base sur le principe qu'il ne faut pas lasser les enfants comme les téléspectateurs. C'est autrement dit que l'intérêt vient du changement constant. Or, vous pouvez très bien voir qu'un enfant engagé dans quelque chose qui a du sens pour lui peut y passer une heure, deux heures, trois heures, sans signe de fatigue, sans avoir envie de décrocher, sans demander de pause. Donc, ça n'est pas vrai que le sens vient de la variété. Le sens vient de l'engagement profond dans une tâche, ce qui suppose, par exemple, des libertés qu'on peut prendre à l'école primaire avec la grille horaire, mais qu'on ne peut pas prendre à l'école secondaire, puisque quand ça sonne, le professeur suivant d'une autre discipline vient prendre la place. Et donc, ça n'est pas négociable. C'est négociable à l'échelle seulement de l'établissement. Et enfin, incohérence. Une des choses qui fait perdre du sens à l'activité, c'est les promesses non tenues, c'est les consignes incohérentes,
un élève passe, par exemple, dans des classes où les questions doivent être extrêmement intelligentes et pertinentes pour être acceptées. Et l'année suivante, on accepte toutes les questions, pourvu qu'elles soient sincères, même si elles sont en dehors du sujet, même si elles sont prématurées, même si elles sont mal formulées, même si elles sont maladroites. Et l'année suivante, on revient à une classe où, d'une certaine manière, la question doit être... ne peut poser une bonne question qu'un élève qui connaît la réponse. Et donc, ça n'est plus une question, une vraie question. Eh bien, ces variations dans le statut de la question, pour ne prendre que cet exemple, font perdre du sens parce que l'élève ne sait plus finalement dans quel rapport au savoir, dans quel rapport à l'erreur on le place. Est-ce qu'il a le droit de raisonner à haute voix? Est-ce qu'il a le droit de faire des erreurs? Est-ce qu'il a le droit de revenir en arrière? Est-ce une faute ou n'est-ce pas une faute? Est-ce une forme d'intelligence ou une forme de bêtise d'énoncer une idée fausse? Eh bien, cette cohérence, elle devrait être travaillée en équipe pédagogique pour l'ensemble du cursus, en tout cas un fragment du cursus. Or, actuellement, on a plutôt l'impression que chaque professeur fait à sa guise. Et enfin, le dixième voleur de sens n'est pas le moindre, l'ennui est communicatif. J'espère que je ne vous donne pas l'impression de m'ennuyer en vous racontant ce que je vous raconte, parce que si je vous donnais l'impression de m'ennuyer, évidemment, vous ennuieriez aussi. Un professeur qui fait son cours en regardant par la fenêtre et en ayant, comme les élèves, le sentiment que ça ne passe pas et que l'heure n'avance pas, ne peut évidemment passionner personne. Et donc l'implication du professeur dans sa discipline, même après 30 ans d'enseignement, reste un élément majeur pour donner du sens au savoir scolaire. Il faut en donner soi-même. Et parfois, il faut en trouver, parce que le professeur qui enseigne la trigonométrie n'est pas toujours capable de dire à quoi ça sert la trigonométrie et pourquoi c'est important de savoir calculer un sinus et un cosinus. Je vous pose d'ailleurs la question, mais je ne vous demande pas une réponse immédiate, à quoi ça sert de savoir calculer un sinus, un cosinus et une tangente? Et seriez-vous capable d'expliquer à un élève de 12 ans pourquoi c'est important pour sa culture? Donc parfois, on est démuni, mais assez souvent, c'est aussi une forme de lassitude, c'est une forme de répétition. Expliquer la même notion année après année, ça devient lassant. Donc la passion peut décroître entre le rapport qu'on a à sa discipline à l'université et puis le rapport qu'on a 15 ans plus tard, quand on répète le même chapitre d'histoire ou de biologie devant des élèves de même âge, ce qui veut dire que peut-être... changer de degré, changer d'école, voire changer de discipline, c'est aussi une façon de garder une certaine passion pour la connaissance. Et donc, pour maîtriser tout ça, le professeur devrait travailler toutes sortes de choses, et à commencer par son propre rapport au savoir. Je passe un peu vite parce que je vais essayer de garder le temps. Risque numéro 4. Si je devais les hiérarchiser... absolument, je mettrais sans doute celui-ci en tête de liste, parce que si l'hétérogénéité des élèves n'est pas maîtrisée par les professeurs, il y a peu de chances que son enseignement soit efficace. Alors, ça passe par quelque chose que je vais faire en 5 minutes. Pendant longtemps, on a expliqué l'échec scolaire par le manque d'aptitude naturelle des élèves, autrement dit. N'apprenaient pas ce qu'ils n'étaient pas capables d'apprendre génétiquement. Et c'est une période heureuse où les professeurs étaient tranquilles. Si c'est génétique, c'est génétique. Bon, alors, peut-être qu'avec un peu d'ingénierie génétique, on pourrait substituer au gène de l'apprentissage un gène plus performant, mais ce n'est pas l'affaire des professeurs. Dès le moment où on a compris, et on l'a compris depuis au moins 60 ans maintenant, que l'aptitude à apprendre est largement sous le contrôle de l'environnement, qu'elle n'est pas déterminée par le patrimoine génétique, mais par l'expérience de vie, par l'éducation familiale, par le milieu familial, y compris le développement opératoire. Et si je reprends, bref parenthèse, le thème de votre colloque, l'intelligence s'apprend dans des conditions qui ne sont pas également réunies dans toutes les classes sociales, ni dans tous les pays. Et on peut observer des... par exemple, par rapport au stade opératoire de Piaget, des décalages de 2 ans entre les classes sociales ou entre certaines régions rurales et des régions urbaines, parce que le développement de l'intelligence, comme des connaissances, va dépendre de la densité et de la structure de l'expérience. Donc tout s'apprend, mais
Tout ne s'apprend pas également parce que les conditions dans lesquelles on plonge les enfants et les adolescents ne sont pas semblables. Or, on a compris peu à peu que, du coup, l'échec et le non-apprentissage n'est pas une fatalité biologique, c'est au pire une fatalité sociologique. C'est-à-dire, on ne s'organise pas pour que les gens apprennent alors qu'ils seraient capables d'apprendre. Et c'était l'apport majeur de Benjamin Bloom et du mastery learning, de la pédagogie de la maîtrise aux États-Unis, c'est de soutenir la thèse que, dans l'enseignement fondamental en tout cas, 85% des élèves, disait-il, peuvent apprendre, bien apprendre, 85% du programme. Qu'il suffit de les mettre dans des conditions optimales pour ça. Et que donc le problème n'est pas du côté des élèves, il est du côté des éducateurs. Il est du côté des professeurs qui n'arrivent pas à créer les situations. Alors, évidemment, nous savons à l'école créer des situations qui permettent aux élèves les plus favorisés d'apprendre. Si on met presque n'importe qui dans une classe primaire, sans formation, il saura enseigner à lire aux élèves qui savent déjà lire. Ça, c'est très facile. C'est la portée de n'importe qui. Et il saura enseigner à lire aux élèves qui apprennent à lire facilement parce que leur développement intellectuel, leur développement social, leur développement perceptif fait que et leur envie d'apprendre à lire est une formalité. Enseigner à lire à des élèves très très loin de la lecture, qui viennent d'un milieu où on ne lit pas, qui viennent d'un milieu où on ne favorise pas cet apprentissage, qui n'ont pas le niveau intellectuel qu'on requiert en principe à 7 ans, ça devient une expertise pédagogique. Ça n'est pas à la portée de tout le monde. Et donc, refuser cette fatalité, c'est évidemment se donner les moyens de maîtriser le non-apprentissage lorsqu'il est... Lorsque, dans le fond, l'école ne peut pas compter sur la famille ou d'autres compartiments de la société pour faire son travail. Lorsque l'école est le seul endroit où l'élève a une chance d'apprendre, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Et donc, ça amène à comprendre que l'échec scolaire, c'est tout simplement l'effet, non pas de l'incompétence des personnes, mais de la structure du système éducatif, qui traite comme égaux tous les élèves, et qui amène à cette... magnifique formule de Pierre Bourdieu, que je vais résumer, mais qui disait en substance, pour que soient favorisés les plus favorisés et défavorisés les plus défavorisés, il entend socialement, à l'école, il faut et il suffit que l'école ignore, dans le contenu de l'enseignement transmis, dans les méthodes et les techniques de transmission et dans les critères de jugement, qu'elle ignore les inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales. Autrement dit, il reformule, en traitant tous les enseignés comme égaux en droit et en devoir, le système scolaire est conduit à donner en fait sa sanction aux inégalités devant la culture. Autrement dit, en traitant tous les élèves comme si c'était semblable, on fabrique de l'échec et des inégalités. Ce mécanisme est connu depuis ce texte de 1966. En a-t-on tenu compte? A-t-on progressé de façon sensible dans la prise en compte des différences et la différenciation de l'enseignement? Dans le discours, oui, c'est présent dans presque tous les pays. Dans les pratiques, vous le savez vous-même, c'est beaucoup moins convaincant. Bien sûr, il y a des enseignants qui différencient leur enseignement, qui ne traitent pas tous les élèves comme semblables. Cela reste une minorité et ça reste un choix militant. Un enseignant qui arrive en retard plusieurs fois par semaine peut perdre sa place. Un enseignant qui pratique un enseignement frontal constamment ne fait pas une erreur professionnelle. Donc on reste dans le domaine du militantisme, dans le domaine du choix. Électif, ça ne fait pas partie des choses qu'on peut considérer comme le cœur de métier. La différenciation, on ne peut pas l'exiger d'un professeur, il n'est pas en faute. Mais qu'est-ce que la différenciation? C'est réduit à son expression la plus simple et la plus synthétique, faire en sorte que tous mes élèves soient constamment dans une situation favorable à leurs apprentissages. Et donc dans une situation adaptée à leur façon d'apprendre, à leur niveau d'acquisition, à leur mode de fonctionnement intellectuel. Alors c'est très facile à dire et c'est extrêmement difficile à faire. Parce que
préparer le même exercice pour tous les élèves en leur disant, faites l'exercice 27 et 28 du livre de mathématiques, il faut choisir ces exercices, il faut avoir un corrigé, mais ensuite, tous les élèves ont la même tâche et sont mis dans la même situation. Pour donner des tâches différentes et placer dans des situations didactiques différentes des élèves, il faut un travail de préparation considérable. La gestion de classe est compliquée, il faut créer des groupes de besoins, ou des groupes de niveaux, ou des groupes de projets. Je n'entre pas dans la méthodologie de ça parce qu'elle nous emmènerait trop loin, mais il faut maîtriser l'hétérogénéité de sorte à proposer des situations différentes à des élèves différents, sans pour autant faire le deuil de les amener à tous aux mêmes objectifs. Parce qu'évidemment, je peux différencier en disant « toi, tu as de la difficulté à apprendre à lire, donc tu n'apprendras pas à lire ». Ça n'est pas la différenciation dont je parle. C'est maintenir les mêmes ambitions pour tous, mais par des cheminements différents. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'entrer dans un discours plus détaillé sur la pédagogie différenciée, mais j'insiste sur le fait que la différenciation, ça n'est pas une méthodologie d'enseignement, comme la méthode globale ou syllabique pour la lecture. C'est une préoccupation de gérer l'hétérogénéité qui vaut à tous les niveaux, de l'école maternelle à l'université. Dans un amphithéâtre universitaire, le professeur de statistique ou de chimie s'adresse à des étudiants différents. Et leur proposer le même discours ne peut que provoquer la réussite des uns et l'échec des autres. Et ça vaut évidemment à l'école primaire et à l'école secondaire. Ça concerne toutes les disciplines. Aucune n'échappe à l'hétérogénéité. Ça concerne tous les programmes. Et toute réforme curriculaire ne résout pas ce problème. Au mieux, elle le déplace ou elle le masque un certain temps. Ce n'est pas parce qu'on va substituer des compétences aux connaissances que l'inégalité va disparaître pour autant. Elle va se reconfigurer. Elle va en partie être moins familière, moins facile à décoder. Elle ne sera pas moins importante et les élèves issus des classes sociales favorisées resteront toujours les élèves favorisés à l'école. Donc c'est important comme quatrième domaine, même si je n'ai pas le temps de le détailler, et je conclus, que faut-il faire du coup de ces quatre risques? Eh bien évidemment ce sont quatre domaines de compétences qu'il faudrait privilégier dans la formation des enseignants, mais privilégier aussi dans la définition de ce qu'on appelle assez souvent le cœur de métier, c'est-à-dire l'identité majeure et ce qu'on peut exiger d'un professeur. Exiger qu'il maîtrise le constructivisme, exiger qu'il maîtrise la transposition didactique, exiger qu'il sache donner du sens au savoir et au travail scolaire, exiger qu'il sache gérer l'hétérogénéité et la diversité des élèves, ce sont des exigences extrêmement lourdes. On ne peut attendre de personne qu'il soit parfait dans ces quatre domaines. Mais on peut se fixer un programme de développement dans ces quatre domaines, en formation initiale, en formation continue, dans les stratégies d'établissement, dans la constitution des équipes pédagogiques. Autrement dit, il est tout à fait nécessaire, si l'on veut faire reculer l'échec scolaire, de se dire que ces quatre domaines sont des domaines prioritaires dans lesquels on ne se satisfait pas de l'état des compétences actuel du corps enseignant, quel que soit le pays. Il n'y a aucun pays dont on pourrait dire l'état de la profession est vraiment satisfaisant dans ces quatre domaines. Et ça n'est la faute de personne. Je veux dire, je n'accuse pas les enseignants d'incompétence, mais on a à gérer une sorte de divorce entre l'état moyen de compétence du corps enseignant et la volonté de faire apprendre tout le monde à un très haut niveau. Nos sociétés ont à l'égard de l'école des exigences extrêmement fortes et ne se donnent pas les moyens, ni matériels mais ni humains, de progresser dans ce sens. Donc nous sommes sur une contradiction dont il ne faut pas rendre responsables les professeurs, sinon responsables de leur lucidité à ce propos. Responsables du fait qu'on a à être relativement au clair sur le niveau de compétence qu'on a dans ces quatre domaines cruciaux. Peut-être qu'on pourrait en ajouter, mais avoir une courte liste est très important. Et je termine en disant que l'éruption de curricula orientés vers les compétences ne modifie pas ce tableau de façon spectaculaire. Faire apprendre des connaissances ou faire apprendre des compétences,
Ça n'est pas tout à fait la même chose, mais pas au point qu'on puisse dire c'est une toute autre liste qu'il faudrait pour les programmes orientés vers les compétences. Peut-être qu'on pourrait dire que dans certains cas, l'accent mis sur les compétences est un atout. Par exemple, on peut ne pas être constructiviste lorsqu'on enseigne des connaissances. C'est un tort, mais c'est présentable, c'est acceptable. Lorsqu'on veut faire développer des compétences, on doit être constructiviste, parce qu'elles ne s'enseignent pas à travers un texte du savoir, parce qu'elles passent par la mise en situation. On peut se dire que la transposition didactique oblige aussi à une transposition à partir de pratiques et non plus de connaissances, qui fait que le problème passe moins inaperçu, qu'il faut, et on le sait en formation professionnelle, créer des situations analogues aux vraies situations du travail, de la vie, pour que les gens apprennent. Donc on peut dire que ça stimule peut-être la réflexion, l'approche par compétence, ça ne résout pas pour autant les problèmes. Peut-être que ça les aggrave au point de ne plus pouvoir les ignorer, au point de ne plus pouvoir se dire je vais transmettre des compétences comme à travers ma parole. Personne ne peut donner des compétences à l'autre, on croit encore qu'on peut donner des connaissances. En les partageant oralement ou par écrit, on ne peut pas partager des compétences. On peut simplement créer des conditions pour que l'autre les construise. Donc ces quatre axes de développement professionnel que je viens de signaler, il serait intéressant de les relire en comparant des types d'apprentissage. Développement de l'identité, développement de compétences, développement de connaissances, développement d'habiletés techniques. Mais aucun de ces domaines ne devient impertinent, dénué de sens. Ils sont tous pertinents à des degrés divers, avec des configurations différentes. Donc, je termine là-dessus. Cessons de croire que les réformes curriculaires nous débarrassent des problèmes de l'école. Et ils nous en débarrassent le temps de comprendre, et en général il faut 5-6 ans, qu'ils sont encore là, mais qu'ils ont été cachés par les débats sur les objectifs, sur les contenus curriculaires. L'apprentissage reste un mystère, reste un défi, reste quelque chose qui demande une expertise de haut niveau, quel que soit le programme, quels que soient les objectifs, et donc ces lignes de développement devraient coexister avec les réformes curriculaires plutôt qu'être remplacées tous les 5 ans, tous les 10 ans, par des réformes scolaires qui font beaucoup de bruit, qui mobilisent beaucoup d'énergie et qui nous obligent à revenir à l'essentiel une fois que le bruit de la réforme est passé. Et je pense que ces quatre lignes pourraient être, tant pour les chefs d'établissement que pour les responsables de l'éducation, des lignes directrices d'un programme de formation initiale et continue, fondamental, avec peut-être aussi des outils de diagnostic pour savoir où en est le corps enseignant dans une région, dans un État, dans un pays, et quels sont les points sur lesquels il faut donner le plus d'insistance, parce que ce sont les points les moins satisfaisants, ou les risques pour les élèves. Et je terminerai là-dessus, intégrons peut-être à la réflexion sur les compétences des enseignants une évaluation des risques que l'incompétence fait courir aux élèves. Je vous remercie de votre attention.